chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Et bonjour à tous les amis, c'est Bloc Poulou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma part, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et ça y est, je vous présente enfin la collection de football partie 2. Alors, comme vous avez pu le voir, la première partie était consacrée au tout premier maillot que j'ai eu dans la collection, comme vous voyez juste là. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de la collection, à savoir les maillots type professionnel, porté et rare. Et également, il y aura un autre ballon et un autre short qui sera présenté avec. Allez, bonne vidéo et bon visionnage à tous. Le premier maillot, c'est le maillot du FC Annecy Club de Haute-Savoie. Édition 2018-2019 avec un patch National 2. Alors pourquoi ce maillot, il est rare aujourd'hui? Parce que on n'en trouve plus aucun maillot du FC Annecy avec un patch National 2. Sachant qu'aujourd'hui, ils évoluent en Ligue 2 BKT. Et l'année dernière, c'était en National. Alors comme vous pouvez voir, ce maillot il est assez simple, bon, logo Adidas, les sponsors Bontas France, Escoffier Recyclage, et derrière, pas de flocage, simplement le sponsor Nissan. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce maillot, moi je trouve que ça va très bien, pour faire du sport, tranquille, voilà, c'est pas un maillot désagréable pour moi. Mais il y a un petit peu trop de sponsors, voilà. Au suivant les amis. Le second maillot est un maillot assez spécial, type professionnel, et c'est même un maillot porté. Et oui, c'est un deuxième maillot du FC Annecy, mais a une énorme particularité, c'est qu'il a été porté pendant un match. Et oui, le 4 octobre 2021, au Parc des Sports contre Villefranche, en National. Alors on peut voir les bandes Adidas imprimées, version professionnelle. Le patch national, le logo Adidas, Annecy, et c'est floqué du numéro 6 et milieu de terrain du FC Annecy, Steven Pinto Borges, qui a pris également sa retraite cette année. Voilà, c'est également un maillot rare, parce que déjà un maillot professionnel, c'est déjà exceptionnel d'en avoir un, et en plus, Annecy est monté en Ligue 2 BKT, donc il n'y a plus du tout de patch national sur ces maillots-là. Voilà, donc un sympathique maillot que j'ai dans cette collection et j'en suis assez fier. Voilà. Au suivant. Le troisième maillot est un maillot très rare, professionnel et signé. Alors, qu'est-ce que c'est ce club? Le Lancy Football Club. Alors en fait, ce club est un club basé à Genève, un petit club, ce n'est pas du tout le Genève Servette. C'est un petit club qui évolue en 5e division suisse. Et puis, ce maillot m'a été offert, notamment par l'entraîneur et par le joueur lui-même. Alors, le joueur s'appelle Siruti et le coach s'appelait Kamel. Alors, ce maillot, il me semble que c'est édition 2020-2021. On a également le flocage numéro 11, mais pas le nom du joueur. Un club situé à Genève. Évoluant en 5e division suisse. Voilà, sponsor Jaco, un petit peu le sponsor Siruti qui a fait un peu abîmé, mais sinon, un maillot rare aussi, qui serait difficile à trouver aujourd'hui. Voilà, au suivant. Le quatrième et avant-dernier maillot de cette vidéo est un de mes maillots préférés. Vous avez deviné, c'est bien le maillot de l'équipe de France 2 étoiles, version Nike, version extérieure professionnelle, floqué bien sûr de l'attaquant des Bleus, Antoine Griezmann, numéro 7. Alors c'est un de mes maillots préférés que j'ai eu à Noël de l'année dernière. Sa grande particularité, c'est que c'est un maillot professionnel, identique à ceux portés par les joueurs. Il n'est pas porté pendant un match. Il n'y a pas le patch de la Coupe du Monde, mais je le trouve très bien de cette conception. Dans cette conception, je veux dire. Voilà, Nike Vapor Knight. Magnifique maillot extérieur. Au moins comme ça, ça alterne. Maillot domicile extérieur, domicile une étoile, et extérieur deux étoiles. Voilà. Et peut-être que je vais racheter un maillot de l'équipe de France 2 étoiles, mais cette fois-ci bleu.
Et avec ce maillot, nous avons le short. Voilà. Au moins, dans ma collection de foot, ça fait deux maillots de l'équipe de France. Au suivant, qui sera le dernier maillot de cette vidéo. Et le dernier maillot de cette vidéo est un maillot particulier, parce qu'il s'agit d'un maillot gardien d'un club de Ligue 1 Uber Eats. Vous avez deviné, c'est le FC Nantes. Alors, comment j'ai eu ce maillot? Eh ben, c'est tout simple, c'est un ami qui connaissait un des joueurs du FC Nantes et qui m'a gentiment offert en cadeau. Donc, comme vous pouvez voir, maillot gardien, Macron, patch Ligue 1 Uber Eats, le logo du FC Nantes, taille grande parce que ça, c'est la taille du gardien. Et ce gardien, c'est pas Alban Lafont, mais c'est bien le deuxième gardien du FC Nantes, Rémi Descamps, numéro 16. Voilà, un maillot vraiment sympathique et que je trouve assez stylé parce que c'est un des seuls maillots qui est un maillot gardien. Et en plus, ce gardien est assez connu parce qu'il aurait joué au Paris Saint-Germain de 2018 à 2019. Et en plus, un logo de... d'un club de Ligue 1 Uber Eats, c'est vraiment l'idéal. Et voilà les amis, c'était tout pour la présentation des maillots. Mais pour finir, un dernier objet que je vais vous présenter, et peut-être ça va vous rappeler des souvenirs. Et ce dernier objet, c'est un ballon. Et oui, c'est le ballon de l'Euro 2016. Et oui, l'Euro 2016 qui s'était déroulé en France. Malheureusement, les Français avaient perdu en prolongation face au Portugal grâce à un but d'Eder. Alors ce ballon, il avait été utilisé, c'est pour ça que vous voyez les traces. Mais c'est sympathique de le voir et de l'avoir dans la collection. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Si on donne une comparaison avec le ballon de l'Euro 2020... il y a quand même une différence. Dites-moi en commentaire lequel entre ces deux ballons est le plus beau. Voilà. Et voilà tous les maillots que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc on récapitule. Maillot du FC Nancy 2018-2019, patch national 2. Maillot FC Nancy 2021-2022, version professionnelle, patch national, flocage Pinto Borges 6. FC Nancy Genève 2020-2021 signé. Flocage 11 Sirouti. Le maillot de l'équipe de France, 2 étoiles extérieures, Antoine Griezmann 7. Le maillot gardien du FC Nantes 2021-2022, Descamps numéro 16. Le short de l'équipe de France extérieure et le ballon de l'Euro 2016. Et voilà les amis, tous ces maillots rares, portés et professionnels. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, c'est un grand plaisir de refaire une vidéo de football là-dessus. Et surtout de ma collection de foot. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour la troisième partie qui sera consacrée aux maillots récents de la collection de football. Allez, à très bientôt et ciao ciao. C'était Bloc Poulot. Et vive le foot. Why?